Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde, on s'en va jouer à Garry's Mode. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, on va s'amuser, on va essayer d'être un petit peu plus dans l'action, là. Faut que je m'habitue, faut que je devienne plus à l'aise avec la communauté dans le serveur. Puis le serveur est à 79 sur 80, fait que j'ai essayé de le joiner quand même. Je sais pas si ça va fonctionner. Tantôt ça m'a écrit time out, fait que là j'ai recliqué dessus. Je sais pas si c'était à cause que j'avais été comme AFK dans chercher de l'eau pis le kit. Ou ben donc c'est à cause que il était à full. Il est quasiment fini de charger le serveur. Fait que j'attends. Puis ça ressemble à ça. Je vais vous le montrer là qui est quasiment. En plus, j'ai une nouvelle voiture, puis là j'ai du cash. Fait que je vais peut-être acheter une autre voiture. Mais là, le petit 4 roues, est-ce qu'il est encore plus facile à conduire que le grand 4 roues? Je ne sais pas. Parce que j'ai acheté le 6 roues, et là j'aimerais ça acheter le 4 roues. Le VTT de grandeur normale. On va aller voir ça. Ça sera pas long. Allez, le serveur load, load. Bon, something is creating script error. Ils disent toujours ça, ça fait que ça doit pas être vrai. Aïe, aïe, aïe. J'ai été voir justement, tu sais, c'est écrit rejoignez-nous sur YouTube, Mr. Diaboloz. J'ai été voir une vidéo de 6 minutes là, seulement, là, mais c'était drôle. C'était bon. Il y a de l'action en tabarnouche. C'est pas comme moi. Oh non, moi je suis tranquille. Mais c'est hot. J'arrivais ça à être là avec lui, là, tu sais. J'aurais suivi ses ordres. Bon, c'est le début, c'est le départ. On commence. Ah, il y a encore le loading. Yo, Exitium, ça va bien? Non, je vais pas braquer la banque, mais on va trouver quelque chose. Toi, tu peux braquer la banque si tu veux. Moi, faut que j'aille m'acheter un 4 roues et un autre char, je sais pas là. Je vais aller voir là. Mais là, je m'en vais sur Elysion 1, mais il était comme quasiment full. Fait que toi, tu dois être déjà là, j'imagine. Comment qu'on fait pour voter? On va voir si barman, on peut vendre des trucs. L'autre jour, on pouvait pas. C'est tout le monde qui peut acheter ces objets-là, ça n'a pas rapport. Munitions, tout le monde peut acheter ça. Fait que quand j'étais vendeur d'armes, ça avait pas rapport à ça. Puis. Nourriture. Monsieur le maire, tenez, vous n'êtes pas là. Pas là. Tu sais que c'est pas la bonne chose pour pas je clique. L'ascenseur est Il y a des bloqué. travaux aussi, monsieur le maire. On voit pas la chose. D'habitude, j'avais l'image. Élysion 1, mais là, comment peut-être sûr? Comment je peux être sûr? Ouais, Élysion 1. Il y a du bon dans la messe. Il me reste juste une pizza. Je vais aller m'acheter de la pizza. Puis là, je suis un barman, mais je peux rien foutre en tant que barman. Alors, je vais faire un bar virtuel que je peux pas rien vendre. Ok. Peut-être ça va être ça que je vais faire. Mon téléphone qui sonnait.
Pas d'habitude, ça sonne plus fort que ça. Que je peux changer de nom. Le gars, il a visé de me rentrer dedans. Colin! Ok, on va dire qu'il a de la misère à chauffer parce que moi, je suis vraiment nul pour chauffer. Alors, il doit pas avoir fait exprès. On peut la tester. Voir si. Ça se conduit bien. Parce que je voulais comparer avec le 6 roues, mais là. On dirait que quand ça lag, ça lag. Ça va pas nécessairement mieux. C'est hot qu'on peut tester les véhicules avant de les acheter. C'est quoi ça? Ah, j'ai déjà fait apparaître une voiture trop récemment. Merde. Faut que j'attende. Ok. Alors si Barman, ça va être bien. Je vais changer de job. Gardien de la paix. Il y a un banquier, c'est qui? Il y a déjà trois chauffeurs de taxi, des gangsters. Il y a même le chef des gangsters. Il peut avoir 5 sans-abri, on s'ostinera pas. Ah, braqueur, ok, c'est ça que tu voulais faire, braqueur. Musicien, faire de la musique. Il y a déjà un pigeon. Ah, j'ai pas assez de choix. Come on, mettez plus de job. Oh là là, mère est full. Bon, on va rester en barman. On va aller voir si on peut faire apparaître un char. Puis je vais aller acheter des pizzas. J'aimerais ça tester ça. C'est un méchant gros truck. Oh my god, ça sera pas chauffable. Oh là là, je préfère braquer la banque que prendre des otages. Ok, ben le char il faut le dézoomer pour bien chauffer là, mais pas si hot que ça. Fait que je veux pas un gros camion comme ça. Je vais aller le retourner puis attendre avant de pouvoir en faire apparaître un autre. C'est le fun qu'on peut tester les chars avant de les acheter. Ah, t'es timé. Quand tu testes une voiture, t'es timé. Ok, mais moi je suis en train de retourner là. Là je suis perdu. C'est où là? La liste, c'est quoi ça? Y a rien ici. Un peu perdu là. Je me suis peut-être trompé de sens. Je m'en vais vers le quartier industriel. C'est pas le bon bord.
Des gens louches ici. Oh, je suis à la fourrière, mais je connais pas assez bien la ville. On va marcher sur le trottoir, être un petit peu plus sotte. Il y a des ruelles partout, ça c'est une bonne idée. Ça peut être plaisant. Il y a deux dépanneuses. Et chauffard. Ok, mettons que j'en essaye un autre. 200 000, c'est trop cher pour un char. 60 000. On va regarder à quoi qu'elle ressemble. Bien ordinaire, ça. C'est hot. Nissan Skyline. Elle est belle, mais... Même pas là. C'est comme un char de police, hein? Il y a des numéros pis tout. Ça, c'est drôle. C'est vraiment un gros char, un gros bateau. Ok, mais là, il y a la Smart 42 que j'aimerais essayer. Fait que je vais pogner la Smart. Tester. Moi, je me demande, on peut-tu barrer les portes? Ouais, ça fait peur. Barrer les portes, c'est ça? Quand t'es dans le char, tu barres les portes. J'ai comme un peu peur, là. Il y a des coups de feu. Est-ce qu'elle va mieux que l'autre? Pas sûr. J'ai fait ma lumière, mais comme un stop, parce qu'elle était encore... Il y a plus de litres d'essence. Ça roule pas vite. Ah merde, je me suis encore fait avoir. Je me trompe encore de chemin là, c'est pas par là, hein, c'est ça? Merde, pourquoi qu'à chaque fois je me trompe? Il me semble que j'étais en ligne droite, j'ai fait un U-turn puis je suis revenu, mais... Il y a un mystère sur cette map là. Ah, c'est ici, j'ai tourné sûrement. Ah, je vais aller l'aider. Bonjour! J'essaie de pousser, ça marche pas. Je pense qu'il y a personne dans le char. Bon, ben désolé, j'ai essayé. C'est assez pour me mélanger encore plus. Oh, Exitium, tu es niveau 7. J'ai trouvé le concessionnaire. Chill. Elle est verte par là, ok? Oh, walk. Je crois que ça va. Oh, oh, oh. Oh, merci. Le gars m'a évité, il était gentil. Fait que là, je vais essayer le char que j'ai déjà pour voir si elle va mieux que la Smart. On dirait que quand le moteur il va plus vite, c'est plus dur à chauffer. Avec la Smart, vu qu'elle va moins vite, je pense que ça se contrôle mieux. J'ai
J'ai pas écrasé personne. On va en ligne droite, puis je fais un U-turn. Méchant bug, vous avez vu ça? Ben, j'ai l'impression que la Smart roule moins vite. La Smart, elle a 60 litres de gaz. Parce qu'elle est plus économique, c'est ça. Je pense qu'il faut pas que je touche à la souris hein, quand je chauffe, comme ça c'est moins mélangeant. Désolé. Citoyen, mais ça aurait dû être écrit concessionnaire. Le gars, il s'amuse. On dirait qu'il y a du fuck qui va arriver là. On va aller manger là. J'ai plus de vie, Colin. J'ai vu qu'il y avait un resto en ville. Je vais y aller. Oh, ça lag tellement, c'est pas conduisable. Pas capable de conduire. Attention, monsieur l'agent. La petite Marthe, par exemple, elle a de la misère à monter un trottoir. Monsieur, regardez. Bonjour. Il n'a pas fermé sa voiture, ce con. Regardez la voiture, là. Ouais, puis il est bien stationné aussi. Regardez. Il brûle de l'essence pour rien, là. C'est pour la planète, hein? Wow. Regardez. Au revoir, merci. Bonjour. Ouah, c'est la station, le mec. Non, ouais, je regarde, je suis en train de regarder les blocs. On commande à l'étage ou. Très ingénieux. Ah, c'est coup de feu là, voyons. C'est énervant. Monsieur l'agent, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais le plat du jour, une pizza et un burger. Très bien. Puis-je vous parler de notre système de fidélité, monsieur? Oui, je veux bien aussi, j'ai entendu. Et oui, je veux bien. Très bien, ben je vous laisse manger et puis après je viendrai pour l'addition. Je vous apporte tout en même temps? D'accord. Oui. Pourquoi pas? D'accord. Attendez. Hey, c'est pas pire, hein, son deuxième étage? My god! Capote. Le plat du jour. Merci. Bonjour. J'attends mon tour.
Ça sera pour une pizza express. C'était quoi d'autre, monsieur? Un burger. Et le truc fidélité. Les burgers, ils se barrent. Oui. Monsieur, il est bon. Il est là. Oui, monsieur, il était encore parti. C'est pas très fun ici. Ouais, attention, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Alors, du coup, je fais le calcul. Nous en sommes donc à un total de. C'est un slow food ici, monsieur. 200 euros, monsieur. 200 piastres. 200 euros, monsieur. 200. Oui. Et quel est votre nom? Gentio. Et le pourboire. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Le pourboire, c'est à ce prix-là, il y en a pas. Très bien, je me disais ça. Merci beaucoup. Bonjour. Et belle affiche. Non, il m'entend-tu? Il m'entend pas. Vous n'avez pas monsieur de frigo, ni de four, ni de lavabo? Il est concentré sur la fiche, il est en méditation. Ah, ça pue ici. Ah, c'est quoi cette odeur? Vous pouvez m'excuser si je prends un peu de temps, c'est juste que c'est le début, c'est le début. Vous êtes en rénovation, je comprends. Mais moi, je suis en train de crever, là. Je meurs de faim. Ah, ils m'entendent pas? Script error. Voilà, me voilà. Donc, que puis-je faire pour vous? J'aimerais avoir 3 pizzas, s'il vous plaît, et je meurs de faim. Je sais pas si c'est possible d'avoir ça en vitesse. Ouais. Et voilà, monsieur. Merci beaucoup. Pardon? Je pense si mal que ça. Merci beaucoup. Combien ça fait? On va se faire par la maison, monsieur. Vous m'avez l'air sympathique. Merci beaucoup. Mais j'en prendrai 3 autres alors, mais là, je veux vous les payer. Du système de fidélité, monsieur. Oui, je vous écoute. Est-ce que le système de fidélité vous intéresse? Oui. C'est simple, plus vous allez revenir, plus vous allez avoir de points, et avec vos points, vous pourrez avoir des pizzas gratuites, tout ce que vous voulez, des réductions, tout ça dans la bonne humeur et la confiance, monsieur. Oui, c'est oui, ça semble un système honnête, j'embarque. Et où est-ce que je signe? Parfait, monsieur. C'est 50, monsieur. Et vous, c'est 50, et puis vous me donnez votre carte d'identité, histoire que je note votre nom. La table volante! J'ai mis 50 par terre, désolé. Puis mon nom c'est Clones. K-L-O-N-D-Z, si vous voulez l'écrire. Très bien, monsieur. Alors je vous prendrai 3 autres pizzas. Je sais pas combien ça fait. J'ai très très faim. Ow! Ow! Aïe! Aïe! Ow! D'autres pizzas? Donc, ok. Oui, s'il vous plaît. Vous avez rien vu, vous, hein? Le toit nous a tombé dessus. Combien je vous dois, mon cher? Oh yeah! Merci du follow, Lucas! Vous me devez, monsieur, Bon, allez, vu que vous avez l'air sympathique, vous avez seulement un 10$, monsieur. Un 10 euros, pardon. Le toit nous tombe sur ta tête! Voilà le pourboire, vous êtes trop gentil avec moi, pour moi on se connaît. Dans une autre vie. Merci beaucoup, monsieur. Je serais ravi de vous revoir dans notre établissement. Ah, la table au plafond, c'est très chic. Oh, oh. C'est très moderne. Monsieur, quel pizza pour vous? J'aurais besoin d'une pizza, s'il vous plaît. Oh, je reconnais cette voix là. Retour express, monsieur.
Monsieur, c'est combien? Vous offrir autre chose? Ok, là j'ai 100 de faim. C'est gratuit, monsieur. Cependant, puis-je vous parler d'un système de fidélité? Est-ce que ça vous intéresse, monsieur? Hey, c'est donc bien hot, son système de fidélité. Yes! Ça va bien, Lucas? En fait, c'est un peu... Vous me donnez 50 euros, monsieur, puis vous voyez, je marque votre nom sur le tableau. Plus vous allez revenir, plus vous allez gagner des points, et au fur et à mesure des points, vous allez avoir des pizzas gratuites, des réductions, ce que vous voulez, monsieur. C'est à vous de choisir. Ça prend combien de points environ, un point... ça prend combien de points pour une pizza gratuite? Pour une pizza gratuite, monsieur, je vais dire 2 points. Voilà. 2 points. Waouh! Méchant deal! C'est quoi le une pizza, c'est quoi, ça équivaut à combien de points? Une pizza, monsieur, c'est simple en fait, vous venez commander une fois, et puis vous gagnez des points. À chaque fois que vous venez commander, monsieur, vous gagnez des points. Ok, c'est good. Par contre, si vous commencez à abuser du système et à revenir toutes les 5 minutes, monsieur, je le remarquerai. Et dans ce cas-là, je ne mettrai pas de points, monsieur, c'est logique. Bonne journée. Salut, monsieur. Monsieur. Bonjour. Il est en construction. Ok, il est en construction. Vas-y, ça se fait pas. Ok, là, il y a tellement de monde sur le serveur. On se fonce tout dedans. On est prêt pour une balade? Moi, je suis barman, fait que faut que je me fasse un bar. Loterie, qu'est-ce qu'on fait avec la loterie? Oh, y a du monde à l'hôpital, c'est louche. On s'en va de là. Yo le gars que je viens d'avoir. Je viens d'avoir un gars, je lui ai demandé s'il voulait un lift pour le fun. Mais là. Un braqueur, mais. C'est pas là. Le flic il est perpé. Pas là. Wow, oui. Ça a l'air joli ici. Je me ferais bien une petite pizza là-dedans. Merci. C'est combien la pizza? Installez-vous, monsieur. Installez-vous. Du coup, pour On va voir un autre pizza, là, mais je vais réfléchir à. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Oh! Téléphone! Vu que nous sommes voisins, monsieur, je voulais faire gratuitement. Effectivement. Je vais mettre ça. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas été assez vite. Installez-vous, monsieur. Installez-vous. Vas-y. Le téléphone. Le plus c'est pas monsieur. Ok, il me rappelle. C'est bon. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Allô? Ce serait pour vous dire bonjour. Allô, bonjour. Oui, à l'instant, j'ai un petit torticolis. Pardon? Vous n'avez pas de four, monsieur? Vous êtes barman? Ouais, je suis barman, ouais. Est-ce que vous voulez quelque chose? Je suis pas, il y a le boost Bernard qui la pizza au fromage. Ah, je vais sortir d'ici, j'entends rien au téléphone. Je vais sortir d'ici, j'entends rien au téléphone. Mais tu m'entends? Ouais, je savais pas que je pouvais fermer le téléphone et circuler. Fermer le téléphone et circuler. Ouais.
Je voulais juste te dire que je me suis pogné le pouce à Berne. Désolé monsieur, désolé. Bon. Là, le gars il m'a appelé, puis ça l'a raccroché quand j'ai pris mon char. Fait que je vais aller que genre me parker à quelque part. Et Colin, ça chauffe mal. Et là 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 là. Ouf. Ça dérape bien en tabarnouche. Ça, là, le dérapage, il va bien. Et je vais rappeler le gars, là, c'était 8-1-5. Je vais me parker VIP dans le champ. Là. Bon, comment je fais pour appeler le monde? C'est qui m'a appelé? Pourquoi ça dit pas son nom quand il m'appelle? Oui. C'est genre 8, 1. Oh, appel récent! Ouais. Récent? C'est le même qui m'a appelé tout le temps ou non? Il n'y a même pas de 8, 1, 5, Colin. À 8h16, 8h15, 8h32. 8h, ça même pas en ordre, 8h, 9h, PM. J'ai aucune idée comment ça marche. J'ai fait clear. God. Yo, et Doudou, ça va bien? Voilà, là, c'est qui m'a appelé? Comment que je peux le savoir? Oh, du téléphone. Hey, j'ai de la misère dans le jeu avec le téléphone, là. Oh my god. C'est quelque chose, puis on est beaucoup dans le serveur. Bon, je vais aller faire trouver une place là, pour faire mon petit bar. Oui, ça va bien, toi? Ah non, c'est ça que je viens de te demander. Oui, ça va. Peace. Fait que là, je vais essayer de me trouver un petit magasin là, pour mettre mon bar. Puis, en tant que barman, je peux même pas vendre d'alcool. Fait que... on va faire quelque chose de très simple. Mais vive le prop, là, c'est le fun, fait que je vais essayer. On monte une côte, puis c'est exigeant pour la smart. Oh my god. J'ai pris une smart parce que ça roule moins vite, c'est moins dur à chauffer. Surtout que le ping il est mon ping est élevé là, sur ce serveur-là. Un serveur européen, si je ne... Ouais, c'est ça, c'est un serveur européen. Hey, j'ai encore 80... Ah, oh, faut que j'aille me faire soigner. C'est ça l'affaire. Ça, c'est un quartier, je pense. C'est pas là que je vais aller. Oups. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors là, je t'ai pranké. Je vous entends. Ah, ça. Ok, ben là, lui, il s'est trompé. Il voulait appeler quelqu'un d'autre, faut croire, là, parce qu'il vient de raccrocher. Mais. Il dit, tu vas me foutre tranquille. Mais là, j'ai rien fait. Ok, fait que c'est pas lui qui m'a appelé tantôt de bord, il me semble que c'est pas ça sa voix. Yo Matt, ça va bien? C'est toi qui essaie de m'appeler Matt depuis tout à l'heure là au téléphone dans le jeu, parce que moi j'ai de la misère à répondre. Non, c'est pas par là. Il y a une police. On va aller voir ce qu'il se passe. C'est toi qui m'appelais? Ben faut que tu me rappelles, parce que là moi j'ai de la misère avec le téléphone, faut que je sors du char quand je veux parler. Tommy! Ben là, je pense que tout le monde m'appelle parce que là. Oh oh! Ça a l'air dangereux ça. Ça va bien, Tommy? Ok, regardez, là, tu m'appelles. Faut que je sors du char. Faut que je barre le char. Faut que je réponds au téléphone. Je manque l'appel. Tu?
Là, le gars qui m'a parlé tantôt, il m'a dit va te faire foutre là, fait que c'est pas le bon numéro, je crois. Oui, allô? Allô? Ouais, c'est pas Matt qui t'appelle depuis tout à l'heure, c'est moi. C'est Thomas, bonjour Thomas, ça va bien? Thomas ou Tommy? Bonjour Thomas, ça va bien? Thomas ou Tommy? Tommy. Ok, mais là je m'entends en background, en double. Là je m'entends en background, en double. J'aurais besoin de toi, s'il te plaît. Tu peux venir au SHM de la mairie pour venir me chercher? Ouais, où ça? Ouais, où ça? Tu vois les HLM du Taco Bell, j'ai besoin de toi là. Ok, proche du Taco Bell, ok c'est bon. Ok, proche du Taco Bell, ok c'est bon. Vas-y, je raccroche. Ok, bye. Bon, mais je suis un barman, hein. Je peux pas faire grand chose, mais on va essayer d'avoir du fun. Proche du Taco Bell, ok, au moins le Taco Bell... Il est où? Mais là je suis comme loin, mais... C'est Thomas ou Tommy là? Je pense que c'est Tommy qui m'appelait. Pas trop m'en demander, là. Je suis un noob là, moi, sur ce jeu-là. Là. Vraiment. Là. Ah, les HLM, c'est les appartements. Ok. C'est louche, hein. Regarde, on va aller voir qu'est-ce qui se trame là-bas. Je m'en viens, mais ma Smart, elle roule pas vite. Fait que, faut pas être exigeant. Non, là, j'ai pas le temps de répondre au téléphone. Là, j'ai une mission, c'est de me rendre sur place. Demain, c'est vendredi. Fait que je suis. Demain, non, je stream pas, je vais écouter des films. Non, je vais pas jouer à Gary Mode. Là, il y a un mec qui m'appelle, mais là, je peux pas répondre. Là. Je suis en train de me rendre au Taco Bell. J'ai tellement de misère, je sais même pas c'est où. Oh, ça lag en ville! My God, je sais pas si t'as vu ça. Ben, vous le voyez-tu comme moi, le lag? Ouais. Je vais mourir de faim. Non, j'ai mis une pizza dans mon inventaire. Hey, ça chauffe vraiment mal là, là. C'est quoi là? Faut plus je joindre les serveurs quand ils sont à 60 personnes. Je les joigne quand ils sont à 40. Oh là là, il y a une côte ici, fait que j'aurais pu arriver par là bien plus vite. Je crois, mais je suis pas bon dans les chemins. Je connais pas la map. Oh, je vais répondre. Bon, je vais le rappeler. Oui, je vous vois, j'arrive. Parfait, merci. Bon, ben, je vais faire un lift, là. C'est tout. C'est où j'ai dit au bordel? Bonjour, c'est moi le barman. C'est où j'ai eu au téléphone?
Venez, venez, j'aurais besoin de vous, c'est pour mes collègues. Venez, fermez votre voiture, à clé, hein. Vous pouvez la faire voler, c'est dangereux. Ouais, c'est fait. Là, vous avez un bar pour moi ou ben non Ah, il faut pas j'y aille. On va faire équipe, j'en construis un, puis je fais un petit coup. Ouais. Je vais. Ok, contre le mur, va contre le mur et dépêche-toi. Va contre le mur et dépêche-toi. Donne tout ton argent et dépêche-toi. Donne tout ton argent et dépêche-toi. Je suis une bonne balle dans la tête. Je sais pas, monsieur. T'as que 500? Oui. Non, c'est pas mal. Oui. Bon, retourne-toi, regarde le mur. Et moi, je voulais vous rendre service, je voulais vous faire un lift ou je sais pas. Ok, je t'assomme, t'as oublié. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites devant chez moi, monsieur? Oh, ok. Le monde se font 500$ comme ça. Ok. Bon, ben si c'est du Gary Mode, c'est correct. Bon, je vais continuer à chiller. Je vais aller chercher mon 4 roues parce que ma Smart, elle va trop vite parce que le serveur, il lag. Fait que c'est ça. Smart, t'es pas capable de monter un trottoir. Colin. Un toit pour des bains. Ok, bon, là j'ai mangé, là je suis rendu à l'étape 50$ pour 1 litre. C'est donc bien cher. Il faut 31 litres. Pourquoi ça fonctionne pas? Je suis supposé mettre le break à bras en faisant ça. C'est space. E. Ok. Ok, il faut 30 litres, fac. Ah, ok. C'est genre 6 litres pour 50 pièces. Ça fonctionne pas. Ah ah! Hey, c'est la première fois, je pense, ou la deuxième fois, je réussis à gazer. Pas facile. Ok, ben là, j'ai pris tout le truc. Bon, j'avais dit que je me ferais un bar, mais là...
Je pense qu'il y a des boutiques ici, là. Drette là que je vais aller. Ouais, je me ferai pas voler mon char. On ouvre la porte, on entre et on barre. Ok, fait que là, on fait un petit bar. On essaye de faire un petit bar. Trop dans le mur, ouais. Ah ouais. Alors, on va dire que ça c'est parfait. Ensuite, y a-tu un autre? Il faut que je teste voir si c'est buggé. Alt E, ça marche pas. Ah, lui il fonctionne. Lui aussi. Ah, ok, ça c'est bien. Ça c'est du monde qui jase là. Ensuite, le petit bar. Il faut un comptoir. Ah, ok, il est pas dans la whitelist. Not in the whitelist. Ah, c'est bien petit ça. Not in the whitelist. C'est un beau comptoir ça. Ensuite, faut être inspiré, là. Vraiment. Ok, c'est presque parfait. Ensuite, on va mettre le stacker. Et le stacker. Ouais, je suis encore en formation. Je suis en train de me pratiquer à faire du prop et tout. Là. Là, j'en fais un autre.
Et après ça, j'y vais avec le stacker. C'est presque égal, là. Faut pas être trop difficile. Je suis pas bon avec l'affaire de précision. Fait que j'y vais précis avec mes propres moyens. Père, hein, sans l'outil de précision, j'ai jamais l'impression. Voilà, on dirait que lui il est trop, là, mais on va dire que c'est correct. Ça fait beau, ça fait beau. Là, on va prendre le stacker. Et après ça, on met tout ça dans un beau matériau. Là. Ah, j'ai pas le tool gun, à chaque fois je me fais avoir. Fait que c'est left. Ça dit pas acheter combien de props sur combien. Faut cliquer deux fois. Ah, je pense que ça lag. C'est juste parce que ça lag. Ok, on peut pas. Fait que viens-t'en dans mon bar, Exitium, même si t'es un gangster ou un voleur. Viens-t'en. Si ça te tente, juste faire une petite visite, là, je vais t'offrir quelque chose à boire. Là. Mais j'ai rien à boire, là, mais on fait semblant. Là, faut que je fasse les matériaux. Matériaux. C'est classe. On va le voir de l'autre côté si c'est beau. Je peux même pas passer par là. C'est mieux quand elle est gris. Me fait vraiment chier dessus. Bonjour monsieur l'agent. J'aimerais poser quelques questions. Oui. J'aimerais poser quelques questions. Oui, c'est mon bar. C'est un bar, je suis barman, je suis en construction. Pourquoi vous avez choisi un si petit magasin? Pour les mythes. C'est pas gros là. Pour limiter le nombre de meubles, ça coûte cher, hein? Je commence dans la business. Ouais, c'est vrai. Ok, ben, bonne journée. Ok, revenez quand vous voulez. Bonne journée. Ouais, salut. Yo, ça va? Je vous ai peut-être vu. Peut-être, ah, peut-être. Oui, ça va, et toi? Ouais, 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 le bleu vous va bien. Je l'ai vu dans une audio. Possible. Oh, oui. C'est quoi votre nom? Monsieur Vladimir. Ah, Vladimir, mais on a joué hier ensemble. Ah, on a travaillé ensemble hier. Oui, oui, oui. faut que j'essaie de faire ça beau. J'essaie de faire un beau bar, mais je peux pas vendre d'alcool ou de rien. Fait que c'est vraiment tout imaginé. T'as pas dans objet comme de la bière pis tout? Non, c'est triste. C'est mal de l'amende. Ben, dans le futur, peut-être ils vont le faire. En tout cas, je trouve ça que c'est pas mal droit. Merci, merci. Je me suis forcé. Moi, j'ai pris sans précision, hein. Ouais, 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 mais j'ai pris Stacker, là. Mais sans précision, c'est les trois premiers ici. Qui débarre un peu.
Ouais, bah. Tabarnak, ça va pas conduire, Rusty. Es-tu rentré dans ton char? Et c'est un voleur. C'est un voleur, je pense. Ouais, le gars, il y a dans mon char. Bonjour. Est-ce qu'il y a eu un accident? Qu'est-ce que vous faites là? Descendez de mon comptoir, s'il vous plaît. Ouais, restez de l'autre côté. Ouais, mais c'est très bon. Merci, merci. C'est mon futur bar, je suis en pleine rénovation. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Non, 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 ça va aller. Parfait. On est chillé? Oui, c'est à ça que ça sert. Vous faites un beau couple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Madame? Ok, destructeur. Je vais mettre ma une. Ma mère est morte, monsieur. Maman s'est fait tuer par les Crips quand j'avais 5 ans. C'est pour ça que je suis devenu policier. Pourtant, tu l'as cassé la gueule. Bonne journée. Oh, yeah. Bonjour. Oh oh. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Wow. Pas mal gros set. Oh, man. Il y avait deux personnalités puis. Ouais. Oh là là. Ah, moi je me suis fait traquer par un Crip tout à l'heure là. Ben Crip, c'est-tu rouge? Ah, le gars il t'a appelé puis il t'a braqué. Ouais ouais ouais. Oh oh, vous êtes. Non, non, c'est des Blues. Des Bloods? Ok. Est-ce que vous êtes une divinité? Vos yeux voient tout sur cette ville, vous êtes une divinité. Monsieur l'agent, j'ai un souci. Parce que en fait, dans une autre vie j'étais Dieu. Oui oui, qu'est-ce qu'il y a monsieur? Monsieur l'agent s'il vous plaît. Monsieur, j'ai un homme armé de pistolet au niveau des aisselles. Il me suit, il veut me tuer, il est venu me voir, il m'a dit il y a un contrat sur toi. Au niveau des aisselles monsieur, vous avez... Bah soyez-vous et relaxez là. Il a une holster, il a des holsters avec des pistolets sous les aisselles monsieur. Sous les aisselles? Il y a des pistolets sous les aisselles. Mais ça doit être difficile de tenir des pistolets avec ses aisselles, monsieur. Attendez, monsieur, apparemment, il y a un vendeur d'armes. Il y a un vendeur d'armes sur la place de la mairie. Il aurait fait un contrat sur ma tête, monsieur, à cet homme. Il lui a donné de l'argent pour qu'il me tue. Où je trouve un plus petit carré, Je sais pas. Je vends des armes. Et lui aussi. Je sais pas, la concurrence. Ah, mais non, mais... En fait, monsieur, dans le milieu des assassins, en fait... Oh, putain! Au voleur! Au voleur! Je me suis fait voler mon char, mais c'est pas grave. Les assurances, c'est là pour ça. Ouais, ben asseyez-vous, on va essayer de vous déguiser. Mais si vous restez dans la fenêtre, je crois que c'est échoué. Ça se dit-tu? Je n'y crois pas. Il me suivait dans les petites ruelles et tout, le mec. Wow, un gros psychopathe. Oh my god. Que la police peut faire quelque chose. Ah oui, 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 je crois que oui. Désolé monsieur, mais j'ai une prise d'otage, donc je vais peut-être revenir plus tard. Ok, c'est bon, puis ma voiture, c'est pas grave, j'ai des assurances. Ouais, je vais essayer de la retrouver. Ouais, ouais, mais je vais essayer de la retrouver. C'est bon, merci monsieur l'agent. Moi j'essaie de mettre une planche, c'est comme dans les restaurants, là, ils mettent une planche. Là. Mais là, ça fonctionne pas. C'est tout pas dans le whitelist. C'est trop petit, hein. Oh merde.
C'est parce que je fais CTRL, SHIFT, puis E en même temps. Fonctionne pas. Oh wow. Oh, je suis dedans là. Merde. J'étais dedans. J'étais pogné dans l'affaire. Bonjour le geek, ça va bien? Un peu de misère avec mon truc là, mais... je vais l'avoir. Oh yeah! Merci du follow, le geek. Peace! Est-ce que c'est beau ça? C'est sûr qu'il faut changer le matériau. Mais après ça, faut que je la baisse un petit peu. J'ai de la misère. Wow. Es-tu droite? On oublie ça, qu'elle soit droite ou croche, c'est ben trop beau. Ok, bon, fait que là je vais mettre un keypad, puis je vais la mettre Fading Door. Ok, c'est fait. Keypad. Ah merde, j'ai fait Z deux fois. Ah, oh, ils sont pareils, hein? Ah oh, ouais. Bon. Ça va bien, le geek? Ah, oh, wow! Oh yeah! Double follow! Attends, c'est-tu... Oh non, c'est le geeker! Le geeker du 51. Puis, Mister Geeker du 51. Ben, merci du double follow. Peace! C'est soit ton frère ou c'est toi. Puis toi-même. C'est chill. Oh, pourquoi ça devient brun, ça? Ok. Bon, là, j'ai réussi à faire quelque chose qui ressemble à un bar. Là, il me faudrait genre un lavabo, puis... C'est un matériau. Okay. Il faudrait genre un lavabo. Une affaire qui fait un peu RP... Pas un frigidaire. Ah oui, les boissons, j'ai mis dans un frigidaire. Il n'est pas dans la whitelist. Ok, y a-t-il un autre frigidaire? Des poêles, des fours, après ça. Une baignoire. Une chaise. Sofa. Une canette.
Et les accessoires, je vais les mettre tantôt là, faut vraiment que... Oh yeah, le grand geeker du 51, j'ai des doutes, mais peace! Là, là, faut que tu fasses... le magnifique. Après ça, le suprême. Après ça... L'insurmontable. L'irréprochable, le respectueux, toutes les affaires là. Mais c'est une joke là, fais pas ça, c'est assez trop. Mais ouais, ouais. Ah bon, c'est toute ta famille qui s'appelle de même là. Ok. Les votes commencent, bonne chance aux candidats, mais je sais pas comment voter. Ah, faut juste que je fasse F3 puis je clique. Jean ou Bob? Ah, je vais prendre Jean. Bob, c'est comme un nom. Hein. C'est mieux Robert, tu sais, il aurait dû dire Robert Real. Bon. Là, je suis en train de chercher le truc. Un frigidaire, c'est pas compliqué, me semble. Ah, oh, c'est dans Add-on, ils me l'ont expliqué. Là, faut que j'aille dans la liste. Comment ça s'appelait donc? Roleplay Prop. Oh yeah! Merci du follow, le geeker du 51. C'est tous tes cons. Faut pas le dire. C'est malade. Bon. Mais je m'en doutais pas, là. Ok, y'a pas de frigère. Oh, y'en a un. Pas dans le whitelist. Y'a-tu quelque chose dans le whitelist? Putain, il est blanc, le frigère. Un lavabo. Ah, ça c'est whitelist. Ah, 51, c'est du tout, là? Ah non. Bonjour. Ah non. Allô, monsieur. Allô, monsieur. Oui, ça va bien? Monsieur. Oui, ça va bien? Oh, oui, je pourrais juste te parler HRP vite fait. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu connais le système de unbox de Elysium? De unbox? Non. Ah, tu pourras pas m'aider. Ah, si, tu pourras m'aider. Bah, si. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut se voir, si c'est moi qui ai des braquettes tout à l'heure, mais j'ai pas le droit de te rebraquer, t'inquiète pas. On pourrait se voir, t'inquiète pas, là, je te braque pas du tout. Je suis pas de conneries. On pourrait se voir ou pas? Tu viens chez moi, je te jure, je te braque pas. Tu peux venir ou pas? Non. Non. Mais non. J'ai un bar. Non. Pourquoi? Mais j'ai un bar. Vous voulez me rendre visite? Je peux pas, j'ai des printers à gérer, moi. Ok. Ben, je te laisse gérer ça. Et oui, il a raccroché direct, c'est clair qu'il faisait rien de légal. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, la prise d'otage? Est-ce que je peux avoir une bouteille de bière? Oui. Non, mais finalement, on a payé, il y avait 3 otages pour 15 000 $, c'était pas super que ça. My god, c'est cher. Ouais, oh, je vous amène ça. Une bouteille. Ah oh, non. Moi, tu traduis de merde, merde. Ouais. Ah! Reboot automatique de 6 heures. Ça veut dire quoi ça? À toutes les 6 heures. Ça reboot ou ben non, à 6h ça reboot. Là il est 6h le matin, fait que ça reboot. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non. Ben là, pas pour le moment, le geeker, à cause que je suis trop. Je suis trop petit. Ouais, reboot, Exitium. C'est ça, fait que je cherche pas de modo pour le moment parce que c'est ça, là. Il y a pas assez de monde qui vient me regarder. J'ai déjà deux modos, fait que... Mais... Si t'es souvent sur mon Twitch, puis que t'es chill, ben là, à suivre. Ouais, un reboot, Colin Debin. Mais là, un reboot, ça veut-tu dire que je vais tout perdre mon bar? Il était super beau, là. J'étais comme à la veille de faire une publicité. Yo, salut Swag Free, ça va bien?
On est en plein reboot du serveur. Je sais pas. Oh, 71 secondes. Ah non, faut attendre vraiment longtemps. Puis après ça, ça load. Ok, fait que j'ai perdu toutes mes prep. Colin de Ben. Oh yeah, merci du follow swag free. Ben oui, ça va bien. Yes, sir. Yes, sir. On dirait que mon truc n'a pas fonctionné, hein? C'est bien triste, ça. Voilà. Mon Wisebot, il se déconnecte tout seul, je sais pas pourquoi. Là. Je vais le laisser ouvert, peut-être que ça change quelque chose. T'es Kobe. Combien? Non, t'es... Je comprends pas. 20 secondes. Oh yeah! C'est quoi la question, le geeker? T'aimes-tu mieux, je t'appelle le geeker ou le geek? Pour moi, les deux, c'est chill. Bon, ben dans 2 secondes, ça va commencer à loader. Yeah. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais là, hey, j'avais tout fait un bar tout beau. Ah, oh, je le referais pas, là. Je le referais pas. Puis je mourrais de faim, là. Faudrait que je me trouve un docteur. Hey, le gars qui m'a braqué, il me rappelle encore. Puis il est peut-être... il est sur le chat, en plus, là. Il est sur le Twitch, là. Mais là, tu me braques une fois, j'ai pas le goût d'aller te revoir, là. Je te fais pas confiance, mec. Fait que gère tes... Et printer, puis moi je vais faire mes trucs. Ben là, je fais quoi? Le serveur vient de resetter. J'ai goût de quitter. Là. Rage quit. Rage quit, Alt F4. Ouais, fait que je vais aller m'acheter de la pizza. Je vais manger parce que là, j'avais. Je vais aller au restaurant vu que je suis membre privilège. C'est le restaurant downtown à côté de la mairie. Non, t'as pas fait de faute d'orthographe, c'est juste que t'as écrit... Oh, t'es Québécois! Ben oui, je suis Québécois. Ok, j'avais pas compris ta question, t'avais écrit Kobe. Mais là, Kobe, je savais pas que ça voulait dire Québécois. Ouais, je suis Québécois, mon cher Geeker. Il est plus là, je sais pas, moi. C'est écrit sur le Twitch qui était rendu level 6. Level Tommy 77777 level 5. Fait qu'il est peut-être encore sur le stream. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave là, c'est pas grave, je vais juste y passer un message. Là. Moi je fais mon possible. Là. J'essaie d'être RP puis tout là, j'apprends encore dans ce jeu là. Moi je suis nouveau là. T'es chargé plus tard. Eh oui, je m'étais fait voler ma voiture. Ah non, je voulais aller au resto, mais c'est clair qu'il est plus là le resto. C'est ça que tu me dis, hein, Excitium? Le resto, il est plus là. C'est clair. Là, y'a-tu du monde sur le serveur? Ah ouais, y'a plein de monde. J'ai pas eu le temps de vendre mes portes aussi. Regarde, y'a plus de resto. Mais quand ça reset de même, t'as pas le goût de refaire tout ton resto. Là. J'imagine qu'ils ont été au Taco Bell. Je vais checker mon inventaire juste pour voir si j'ai... Ah, j'ai encore 2 pizzas, mais il me reste 4 places. Fait que je pourrais me pogner 3 pizzas. Ou même 2, mais 3. 3 pizzas. C'est louche. On essaie de passer à côté. Hey, j'ai voté pour un maire, je sais pas s'il a été élu.
Bonjour. Y a quelqu'un? Non, non, il n'y a personne. Oh, j'ai faim. Je suis une femme. Bon. Tu vas braquer la banque. Ok, on va aller voir ça, si on peut faire quelque chose pour aider. Métier. Barman, c'est rendu une fille. Geeker, déjà niveau 4? J'aime ça qu'on se trouve. Ben là, on se rend compte à la banque. Et moi, je veux pas être un braqueur, là. Je suis comme incognito. J'ai la misère. Ah, pour braquer ça, faut absolument être un voleur. C'est écrit dans ma page Twitch. Fais juste aller dans l'information, là, puis j'ai tout écrit pour toi. J'ai écrit ma webcam. Mon processeur, c'est pas le meilleur, là. C'est genre un 4 coeurs. Mais je sais pas tout par cœur. Une bonne carte vidéo, mais j'ai pas un bon processeur. Ben, pas un bon. C'est bon. Hein? Moi, je trouve ça bon. Mais c'est pas comme les hot, là, tu sais. Je peux te le lire si tu veux pas aller checker. Là. Je vais attendre ta réponse. Là. Es-tu prête, le geeker? Ah, tu viens de l'air? Ok, moi j'étais comme, j'ai tout placé pour te l'air. Mais c'est chill. Ok, c'est ça qui est ça. Ça ressemble à ça, ma voiture. Ben ouais. Dans quoi que je roule, c'est ça. J'étais supposé avoir un rendez-vous à la banque. Mon rendez-vous, il arrive pas. Je pense qu'il faut choisir braqueur absolument pour braquer la banque. Hein? Ça, ce serait logique. Je vais mettre banquier, ben oui. Il
jamais été banquier ben. Hein. Oh merde. C'est moi qui ai fait ça en plus. Hey, ce bruit-là, ça fait peur. Je pensais que la porte se fermait sur moi. Ah, ça fonctionne, ça. Yes, sir! Ok. Là, je vais pouvoir ouvrir les portes, c'est juste que là, je voulais les fermer pour faire semblant que j'ai fermé. Puis, on dirait que ça se ferme pas. Des beaux contrôles, puis tout, là, mais... Je me fasse de la protection. Bonjour monsieur. Bonjour. On s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Vous êtes frère, hein? Vous avez un trait de ressemblance. Vous avez le même nez. Non, demain je stream pas. Demain c'est des films que je vais écouter. Oh oui, je vous écoute, je vous écoute. Vous allez rester longtemps banquier ou pas? Non. Dépêchez-vous. Je connais pas ça, moi. C'est pour ça. Ok. Fac, moi et votre frère, moi et votre frère, on s'en va policier pour accélérer les choses. Vous êtes déjà entré. Ah, mais il faut deux braqueurs. Ah, il en faut deux, absolument. À moins qu'on fasse un fricotage. Des fricotages. En tout cas, réfléchissez à la tactique, là, parce que. On fait un selfie. Ok, là je souris là. Oh, monsieur, vous êtes... Bonjour, je peux prendre votre commande? Monsieur, vous êtes beau. Ah, oh, merci, merci. Ah, oh, les paparazzi. Ah, oh, ça arrête jamais. Vous avez un beau masque. Où c'est que vous l'avez acheté? Vous êtes à l'avance. Oh, bonjour monsieur. Bonjour. Ah, vous aussi vous êtes beau. Pourquoi me prenez en photo? Parce que vous êtes beau monsieur. Attendez, je prends la pause monsieur. Ok, attendez. C'est louche, c'est louche. Prendre des photos, hein? Ouais. Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Non, monsieur, je vais prendre une photo de vous. Je pense que c'est mieux que vous sortez.
De l'autre côté. C'est louche. C'est très louche. C'est bon. Ok, fait qu'il faut qu'il y ait 5 policiers pour pouvoir braquer une banque, puis il faut être 2 pour braquer une banque. Ok. Moi, j'apprends des trucs, là. Fait que, mettons, on met ça. Allô? Bonjour! Est-ce que vous venez pour ouvrir un compte? Bonjour. Les policiers, il y en a combien? Agent de sécurité. Non, ça compte pas. Hein. Agent de la paix, là. Je sens que je viens de le voir. Il y en a pas. C'est sûr que deux clowns viennent vous voir pendant que vous construisez, ça fait peur un peu. Ouais, j'ai peur des clowns, j'ai une phobie des clowns. J'ai joué genre 45 heures à Gary Mode. Fait que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que j'ai commencé Gary Mode. Ou 4? Non, 3 semaines, genre c'est. C'est quand même récent, là. Oh là là, je me sens tellement mieux. Toi, t'es-tu un joueur d'expérience professionnelle? Ok, j'ai 40... Non, j'ai 50 heures de jeu exactement. Là, je suis sur mon Steam. 50 heures de jeu Gary Mode. 758 heures. Ouais. T'es sûrement meilleur que moi pour tout, hein. Pour les props, pour les jobs, pour vendre des trucs, tout. Ok, c'est cool. Mon Stardew Valley, j'ai joué 77 heures. Mettons que je vous dis une coupe de jeu. J'ai joué 98 heures à 7 Days to Die. Mais là, il y a eu plusieurs patchs, alors je suis plus à jour. Je suis plus à jour. Ark Survival. Non, Ark Survival Evolve. J'ai joué 47 minutes. Fait que j'ai jamais joué. Genre. Puis. Je sais que c'est un bon jeu, ça a l'air nice. Puis après ça, les autres jeux, j'ai pas joué longtemps. Non, j'ai un jeu, j'ai joué 14 heures. Un Divinity Original Sin Ancients Edition. Puis Grim Down, j'ai joué 25 heures quand même. C'est un jeu comme Diablo, là, tu montes un bonhomme. Heroes in General, c'est un jeu gratuit de gun qui ressemble à Battlefield. C'est vraiment hot. Heroes and Generals. N, c'est le symbole. Puis j'ai joué 6 heures seulement. Il y a Pokémon Go aussi que j'ai joué, là. Pardon. 9 heures de Rocket League, fait que ça aussi, je suis noob, mais j'aime ça, c'est le fun. Terra, 2 heures. Bon, j'ai essayé Terra. J'ai essayé Warframe, 38 minutes, mais tu sais, je sais pas si j'aime ça, là, j'ai pas assez investigué le truc. Les workshops, c'est vraiment nice. Le Warframe, c'est ça que je check, là. Non, Clash Royale, j'ai... Ben ça, c'est l'affaire sur tablette, hein. J'ai joué, puis j'ai pas capoté, je l'ai désinstallé.
Mais j'ai Clash of Clans. Mais ça, je le stream pas. J'ai Clash of Clans, mais je joue une fois par semaine ou une fois par deux semaines, tu sais. Ça, j'ai quelques jeux, mais j'en ai pas une tonne. Même mon compte Steam, ça fait pas trop longtemps que je suis sur Steam. J'ai genre... J'ai genre 21 jeux sur Steam. Mais là-dedans, il y en a genre 8 qui sont gratuits, là, tu sais. Même peut-être plus. Attends une minute. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. J'ai spoté direct le bon chiffre. J'ai 8 jeux gratuits. 342 heures sur Gmode, Exitium. C'est bon. Moi, je suis à. Combien j'ai de dire 50 heures 48. Attends une minute. Gary Mode. C'est dans les G. Ouais, 50 heures juste. Alors sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Puis peut-être que la semaine prochaine, je vais streamer un peu Diablo 2, peut-être. C'est comme, je suis nostalgique ces temps-ci, puis j'ai tellement joué longtemps à Diablo 2 que là, je me refais un bonhomme à Close, Battle.net, US East. Est, US, États-Unis, Est, puis un frère qui a fait 5857 heures, ou... Ouais, c'est ça que t'as écrit, je pense. Ah, il est malade, ton frère. C'est super bon. Ça doit être une machine. Machine de guerre. Fait que c'est ça, fait que là, j'ai l'intention de me faire un bonhomme à Diablo 2. On s'entend, je l'ai commencé hier, là. J'ai joué 20 minutes, non, une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, 35 minutes. Puis je suis level 6. J'ai joué avec mon ami Holo. On va le monter ensemble, puis si je stream en fin de semaine, ça risque d'être soit du Divinity ou du Diablo 2. Mais je sais pas si je vais streamer en fin de semaine. Mais tu sais, dimanche soir à 19h30, je vais streamer. Mais je parle de vendredi, je stream pas. Samedi puis dimanche, je sais pas quand je stream. Je sais pas si je stream. Puis si je stream, c'est Diablo 2 ou Divinity. Ah, il y en a qui sont fous. Moi, j'ai quelqu'un qui me regarde sur le stream. Spikey, c'est un gars qui joue à Diablo 2, à Diablo 3. Puis il a joué là, tellement d'heures, j'en reviens pas, c'est impressionnant. Là. Il a joué genre 2500 heures avec un bonhomme, avec un barbare. Il a joué genre 1800 heures un autre bonhomme, 1000 heures un autre bonhomme, 500 heures un autre bonhomme, un autre 2000 heures, un autre 1500. Tous les bonhommes, il a joué full d'heures. Fait que c'est comme. Ça, c'est tout dans le même jeu, là, mais c'est parce que c'est divisé par classe. C'est malade. Fait que c'est ça, je sais pas si vous êtes des joueurs de d'autres jeux ou vous êtes des Gary Mode 100%. Si vous jouez à genre Diablo, des jeux Blizzard, d'autres jeux Steam. Moi je joue à Pokémon Go. Pokémon Go je joue plus. J'ai encore mon account, je joue plus. Puis je voulais dire Pokémon TCGO, Trading Card Game Online. Mais je suis noob là aussi. Mais c'est un jeu de cartes, c'est quand même le fun. Je joue à Guild Wars. De ça. Blade and Soul, je me suis parti un bonhomme, doit être level 10, pas beaucoup. 8957 heures sur Rocket League. Ben là, il me semble que ça fait pas longtemps que c'est sorti Rocket League. Anyway, il est pas mal bon ton frère, mais là ton frère c'est quel là? C'est-tu le geeker du 51 ou ben non c'est le grand geeker du 51? Ou c'est Mr. Geeker du 51. Anyway, c'est chill. C'est cool. Fait que je vais vous laisser. Je vous dis bonne soirée. C'était le fun. Puis on se revoit dimanche soir à 19h30. Ou avant.
C'est une surprise. Bonne soirée.